Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le jour 28 de ce calendrier de l'Avent. Il reste plus que 4 make-up en comptant celui-ci. Du coup, je vais vous proposer une genre de mini-série spéciale jour de l'an avec des maquillages très pailletés, très vraiment faits. Donc là, aujourd'hui, on commence ce premier look avec un look tout en paillettes. J'ai juste utilisé, j'ai quand même utilisé une palette, mais très légèrement. C'était la Glitter Bomb de chez Too Faced. Et ensuite, j'ai utilisé deux paillettes, donc ces bleus-là que j'avais acheté chez Cultura et ces violettes qui sont des palettes de chez Stargazer. Vous pouvez en trouver vraiment partout des paillettes, sur Amazon, sur AliExpress, chez Cultura, dans les magasins de loisirs créatifs en général, il y en a beaucoup. Donc voilà, donc je vous propose un double liner violet-bleu tout en paillettes. Et si ce tuto vous intéresse, c'est parti! Ce maquillage est vraiment super super simple à réaliser. J'ai posé des scotchs sur le coin externe de ma paupière et en fait là je vais commencer tout d'abord par mettre de la base à paupières spéciale paillettes sur toute ma paupière mobile. Et ensuite donc je commence avec les paillettes bleues avec un pinceau liner, peu importe le pinceau, d'ailleurs vous faites ça avec ce que vous pouvez. Je vais les placer donc en forme de liner le long de mon scotch et le long de mon ras de cils. Moi j'ai décidé de faire quelque chose d'assez épais, mais si vous voulez quelque chose de plus fin, ben vous pouvez le faire, voilà. Une fois que j'en ai fini avec les paillettes bleues, je passe aux paillettes, violettes. Elles sont vraiment trop trop belles. J'en ai foutu plein mon bureau pour vous faire cette petite, ce petit close-up. Bref, donc là je vais faire la même chose mais par-dessus le bleu. Je vais juste épaissir un petit peu plus le trait pour qu'on le voit un peu plus quand j'ai la paupière ouverte. C'est tout ce que je fais, mais sinon... Et j'essaye légèrement de les fondre entre elles, entre le bleu et le violet, légèrement. Ça n'a pas filmé, mais après, une fois que j'ai eu fini ça, j'ai juste appliqué du mascara et du crayon noir dans la muqueuse inférieure et supérieure. Et j'ai appliqué un peu de fard rose de la palette Glitter Bomb que je vous montrais en début de vidéo. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait. Comme je vous l'ai dit, c'est super simple. Le maquillage est maintenant terminé, j'espère vraiment qu'il vous aura plu. Moi je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Mouah, je vous aime.